Merci. Julien Aubert. Oui, merci beaucoup pour ce rapport effectivement très fourni. Alors, c'est vrai que pour aller vers la simplicité, moi, ce que je retiens de votre analyse, mais je voudrais vérifier que c'était bien votre message, c'est qu'il y a quand même un problème de visibilité sur une politique qui est centrale, qui a été mise au centre de ce quinquennat, sur lequel il y a eu une grande loi qui a été votée ou qui a été présentée comme une grande loi. Et je constate d'abord des montants qui sont certes, quand on les cumule, relativement importants, mais qui ne sont pas forcément à la hauteur de tous les chiffrages qui ont pu circuler sur les besoins en matière de transition écologique. Une forme de saupoudrage avec parfois des priorités qu'on trouve un peu de manière entremêlée. Et puis surtout, un problème de contradiction quand même. Et c'est sur cela que je voulais vérifier que j'avais bien compris le message de votre rapport. Je trouve qu'il y a une contradiction évidente entre, d'un côté, une publicité qui est très forte sur la transition écologique, la transition énergétique, le fait que ça va être le vaisseau amiral d'un grand virage économique de la France, et de l'autre, de constater qu'en réalité, dans le même temps, on était en train, alors vous appelez ça redéploiement de crédit, etc., mais moi je vais être plus simple, c'est tout simplement on a réduit les crédits qui étaient destinés à cette grande politique. Et je crois que ça doit interpeller évidemment la majorité parce qu'elle est aux manettes, mais aussi de manière plus globale, je pense, tous les parlementaires, parce que finalement, le Parlement vote des orientations et puis on s'aperçoit ensuite que dans la mise en œuvre exécutive, eh bien, par des mécanismes de bonneteau budgétaire, on se retrouve avec une balle qui n'était pas exactement sous la tasse qu'on avait pensée. Et donc, c'est moi ce que je retiens de votre rapport. Je voulais vérifier que, même si je le dis de manière un peu crue, c'était quelque part en toile de fond votre message. Merci.